c'est pas accident. C'est un accident. C'est très un accident. Je suis venu. À l'époque, les filles étaient super sympas. On pouvait rigoler. On pouvait... Il fallait pas être friqué. Il fallait pas. On pouvait s'amuser. S'amuser, ça voulait pas dire aller baiser, comme tout le monde pense. On pouvait passer des soirées entières avec plein de copines autour de nous, 2, 3, 4 mecs. La fête, quoi. La boire, la musique. Dans les reportages, le problème, c'est qu'on ne répond plus aux journalistes parce que tout est transformé. On se croirait dans un bordel, on croirait que c'est du bordel. C'est pas possible, parce que vous comprenez bien qu'avec la vie de nuit, tout ça, toute cette vie facile, on a des tentations. Tout homme a des tentations. Et savoir après se gérer, c'est tout. Des gens comme M6, comme des gens qui sont venus, qui ne connaissaient rien de la Thaïlande, qui n'ont rien vu de la Thaïlande, qui racontaient n'importe quoi sur la Thaïlande. Voilà, ça c'est inadmissible, voilà, c'est tout, voilà, après. Salut à tous, Sabri Thaï en direct de Thaïlande, je suis à Pattaya et aujourd'hui je rencontre Eugène qui a passé 42 ans à Pattaya. Bonjour Eugène. Bonjour Sabri, comment vas-tu? Voilà, ben Pattaya. Ça va bien, 42 ans alors. Hein. 42 ans de Pattaya, c'est une vie avec les hauts et les bas. Pattaya a toujours été Pattaya et Pattaya restera Pattaya. D'accord. Donc le problème, simplement, il faut que nous passions cette pandémie, que nous revoyons revenir nos clients. Pattaya est une ville qui a explosé. C'est normal, il y a eu énormément de gens qui sont installés, qui sont venus amener leur savoir, leur bien-être. Et puis voilà, le week a très, très bien marché pendant des années. Nous avons subi ce qu'il y avait à subir, toutes les crises, comme tout le monde, et voilà, nous sommes toujours là. En 42 ans, Pattaya a évolué en positif, en négatif. Est-ce qu'il y a eu de grosses transformations? Il y a eu de très très grosses transformations dans le positif. Il ne faut pas oublier quand même que nous étions une population de, je crois, à peu près 10 000 habitants, avec Nakhlua compris. Jean-Pierre n'existait pas, donc alors, je pense que maintenant, avec 500 000 habitants, il y a l'effort qui a été fait énorme, il y a des structures qui sont énormes, et nous avons quand même, malgré tout, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que nous avons énormément d'équipements sportifs, nous avons des événements sportifs énormes. Nous avons des événements de tennis, nous avons des parcours de golf. Une des villes qui a le plus de parties de golf, 29 golf à Pattaya. Je pense quand même qu'il y a la structure routière s'améliore, la vie s'améliore. On subit simplement le sort de la ville, le sort du monde avec la pandémie. Simplement, voilà. Pattaya restera toujours Pattaya. La nuit comme le jour, il n'y a rien qui a changé, si on veut. Est-ce qu'on peut dire que le Pattaya, c'est une ville de nuit ou pas? Pattaya était une ville de nuit longtemps. Après, on a commencé à faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que la nuit, qu'ils peuvent sortir. Et on a toujours proposé aux gens plusieurs excursions autour de la ville. C'est-à-dire que dans la ville même, si on veut, c'est une ville qui a un bord de mer. Et donc, il y a les gens qui aiment Pattaya et il y a les gens qui aiment aussi sortir. Il n'y a pas que la nuit. On peut à Pattaya aller de partout. On peut visiter des zoos, on a des parcs aqualandes, des parcours de golf, on a des terrains de tennis de partout. On a une structure qui est pas mal, qui était même inimaginable il y a 40 ans en arrière. Mais pourquoi à l'extérieur de Pattaya, on entend souvent parler que des lieux festifs, discothèques, boîtes, des bars, etc. Parce que les gens ne sont pas toujours positifs. Les gens, il y a ceux qui viennent pour la fête. Moi, je vois dans mes établissements, aujourd'hui, je reçois autant de jeunes, autant d'aînés, avec enfants et tout. Donc c'est, il n'y a pas une si mauvaise image de Pattaya, il n'y a pas que la fête à Pattaya, il n'y a pas que la nuit. La nuit est faite pour ceux qui aiment la nuit. Après, le reste, ils ne sont pas dans la nuit. Et c'était quoi à Pattaya il y a 42 ans? Et dans les mœurs, dans les attitudes des Thaïlandaises, on en parlait tout à l'heure un petit peu. Est-ce que ça a évolué un petit peu? C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans une ère de commercial, quoi, du marketing. Maintenant, à l'époque, les filles étaient super sympas, on pouvait rigoler, il ne fallait pas être friqué, il ne fallait pas.
On pouvait s'amuser, s'amuser ça ne voulait pas dire aller baiser, comme tout le monde pense. On pouvait passer des soirées entières avec plein de copines autour de nous, 2, 3, 4 mecs. La fête, quoi, la boire, la musique. Maintenant, plus ou moins, étant donné que ça s'est un peu transformé avec l'arrivée massive d'Européens, de ça, qui ont proposé de l'argent à des filles, plus ou moins. Alors, les filles ont changé, ça rentrait un peu dans le marketing. Voilà. On n'a plus le même, pour moi, j'ai pas de problème, mais pour les jeunes qui arrivent, c'est déjà plus le même approche. Quoi. D'accord. Mais maintenant, les jeunes savent où ils vont, savent ce qu'ils font, ils se protègent, il n'y a aucun problème. Après, c'est à eux de voir ce qu'ils ont envie de faire, pas faire. Tout est là. Et vous, pourquoi votre choix a été porté sur Pattaya? Pattaya, c'est par accident. C'est un accident. C'est un accident. Je suis venu à Pattaya en vacances la première fois en 1976. Je n'avais jamais remis les pieds. Puis un jour, j'ai eu une proposition d'un ami à moi qui voulait ouvrir quelque chose sur Pattaya et qui avait un associé qui a été déficient. J'ai remplacé cet associé, je me suis retrouvé à Pattaya. D'accord, aussi simple que ça. Aussi simple que ça, pas plus compliqué. D'accord. Et pourquoi pas Bangkok, par exemple, Chiang Mai, est-ce que vous verriez Non, non, je suis du bord de mer, je resterai du bord de mer. D'accord. Moi, les grandes villes ne m'inspirent pas. D'accord. Phuket, pareil? Non, Phuket, non. Alors, les grandes villes ne m'inspirent pas et les îles non plus. D'accord. J'adore les îles pour y passer 2-3 jours, un jour, 2 jours, Phuket, Koh Samui, Koh Lanta. Parce que la Thaïlande a une foison d'îles magnifiques, donc il n'y a aucun problème. Mais là, y vivre, c'est autre chose. Mmh. Est-ce que c'est un monde sulfureux de la nuit à Pattaya ou est-ce que c'est y a rien d'extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est sulfureux du moment où on a... Parce qu'on exagère en fait dans les reportages qu'on voit. Dans les reportages, le problème c'est qu'on ne répond plus aux journalistes parce que tout est transformé. On se croirait dans un bordel, on croirait que c'est du bordel. Moi je défie quelqu'un de venir voir le soir ce qui se passe dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, qui viennent directement, qui viennent à n'importe quelle heure, qui filment et qui me montrent à un moment où il y a une bagarre, où il y a des mauvais gestes, et tout, comme le montre. Comme... À Pattaya, il y a une sécurité totale. Alors, je ne parle pas spécialement de Pattaya. En Thaïlande, le touriste est en sécurité totale. Qu'il aille en ville, qu'il aille au marché, qu'il aille en boîte, il est en sécurité. Vous pouvez rentrer sous à 5h du matin à Pattaya, personne ne va vous importer. Que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Les Européennes n'ont jamais été importunées par les Thaïs, elles ne sont été importunées que par les Européens. Les Thaïs est un pays d'accueil, ils ne sont pas vindicatifs, voilà, on ne peut pas dire le contraire. Moi, j'ai 42 ans que je suis en Thaïlande, j'ai jamais eu un problème avec un Thaï. Ah, jamais? Avec des étrangers, si? 42 ans, j'ai jamais eu un problème avec un Thaï. Avec les étrangers? Avec les étrangers, bien sûr, en boîte de nuit, bien sûr. Quand même. Ouais. Les gars qui se tiennent mal, ça n'allait pas trop loin, quoi, c'est tout. Voilà. Et quand vous êtes venu en Thaïlande il y a 42 ans, quel était votre métier? Moi, j'ai toujours été restaurateur. Toujours restaurateur depuis le début. Hôtelier, babar. D'accord. Au départ, c'est le babar, et aujourd'hui, comment j'avais s'appelle l'établissement? J'avais babar, discothèque, j'étais hôtelier. D'accord. D'accord. Vous avez eu des célébrités qui sont passées à... Ah, on a chez moi ici à Pattaya, oui, j'ai eu des célébrités qui sont passées. Qui ça comme célébrité? J'ai eu le sectionnaire de l'équipe de France, Henri Michel, j'ai connu M. Henri Salvador. Ça, c'est les premiers. Hein. Ouais. Après, il y en a eu d'autres. Je suis obligé de taire le nom. Hein, voilà. D'accord. Qu'est-ce que des jeunes expatriés devraient savoir sur la Thaïlande ou Pattaya avant de venir s'expatrier? Si je partais à Pattaya à l'heure actuelle, maintenant c'est difficile, c'est complexe. De venir en Thaïlande, c'est difficile, c'est complexe parce que à l'heure actuelle, la situation n'amène pas la confiance dans la reprise. On ne sait pas où on va exactement, on ne peut pas dire où on va. Mais on espère, on ne baisse pas les bras. Voilà. Mais un jeune qui a des capacités, vous savez, un jeune, n'importe lequel, de n'importe où il est, s'il veut faire ses preuves, s'il a du courage, il y arrivera toujours. D'accord. Donc c'est une question d'adaptation. Il s'adapte, il ne s'adapte pas. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus ici qui ne sont pas adaptés puis qui sont repartis. Mmh. C'est tout. Et il faut savoir vivre. La Thaïlande, il faut apprendre à vivre. Il ne faut pas venir avec notre a priori européen. Il faut apprendre à vivre avec les Thaïs. Mmh. Et ce n'est pas évident. Mmh. Parce que quand on est européen, on n'a pas la même vision des choses. Donc on apprend à vivre. Et si on apprend à vivre, qu'on est respectueux, bon, je pense qu'on ne peut pas avoir de problème. Mmh.
Parce que ouais, 42 ans, c'est quand même ça, c'est preuve, c'est une grande preuve de respect. Ouais. Donc comment vous vous sentez après 42 ans? Est-ce qu'on se lasse ou est-ce qu'on est bien en Thaïlande et... Ah non, mais moi, voilà, maintenant je suis à la retraite. Sûrement, je vais avoir mon fils en interview. Moi, je suis à la retraite, mon fils a 31 ans, j'ai plus rien à voir. Je reviens en Thaïlande pour mon fils, mon petit-fils, mes enfants. Je suis un peu plus absent de la Thaïlande qu'avant, mais je suis toujours là. Eugène, tu es ancien boxeur, hein? Non. Hein? Tu faisais de la boxe un petit peu. J'ai toujours fait, non, je suis énormément sportif. Voilà. D'accord. Jusqu'à maintenant. Voilà. Ah, c'est très bien ça. Ouais, mais voilà, vous me parliez de gens de la boxe. Vous parlez avec des gens comme Dida, comme César, comme le Banner, vous connaissez Eugène. Ils ont démarré avec moi il y a 1980. Ah, génial. Dida a commencé chez moi, il venait manger chez moi tous les soirs. Vous pouvez demander à Dida. Ah, génial. C'est le café Chokdi, le film Chokdi. Mmh. Bon, Dida, si on regarde cette vidéo. Dubaï. D'accord, bon, on essaiera de faire une interview. D'ailleurs, vous avez aussi Pascal Hideki, le karaté Bushido, qui était chez moi. Kamichi, les organisateurs de combats de boxe à Paris. Mmh. Ça, c'est tout connu. J'étais dans le monde de la boxe. Qu'est-ce qui fait que. Titre amateur. Qu'est-ce qui fait que parfois les gens ne durent pas en Thaïlande? Il faut savoir vivre la Thaïlande, il faut apprendre à vivre la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un piège. C'est un piège pour ceux qui sont faibles. On ne peut pas d'un coup, du jour au lendemain, s'adapter à Thaïlande. Il faut apprendre à vivre la Thaïlande. C'est parce que c'est une ville où on croit que c'est la facilité, puis c'est pas la facilité. La facilité, elle est loin. Il faut savoir vivre, il faut savoir faire attention. C'est tout, il faut se gérer, il faut être autonome et se gérer, parce que c'est pas possible. Parce que vous comprenez bien qu'avec la vie de nuit, tout ça, toute cette vie facile, on a des tentations. Tout homme a des tentations, mais savoir après se gérer, c'est tout. D'accord. Donc tout à l'heure en off, tu me disais qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas restées suffisamment longtemps, qui avaient quitté la Thaïlande. Parce qu'ils ont commis quelques erreurs, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? C'est simple, ils sont arrivés avec de l'argent, ils se sont installés, ils ont oublié qu'il fallait travailler, c'est tout. Ils ont oublié qu'il fallait rester dans leurs affaires, ils ont préféré aller faire la fête le soir, tout ça, mais quand on est dans une affaire, si on ne gère pas son affaire, quand on revient, il n'y a plus rien. D'accord. Ça, c'est la logique. Ouais, d'accord. Est-ce qu'ils ont fait peut-être aussi quelques... Certains se sont mariés, que ça n'a pas duré? Il est difficile, la vie communautaire, la vie en commun avec une Thaï, elle est très difficile, à moins d'avoir des caractères bien, bien trempés, parce que déjà, il ne faut pas oublier une chose, nous n'avons pas la même culture, pas du tout. On n'a pas la même façon de voir les choses, pas du tout. On ne parle pas le même langage, pas du tout. Et alors, déjà, je vois le problème qu'on peut avoir, c'est déjà au niveau rien que du dialogue. Le dialogue est difficile, puisque les gens ne parlent pas la même langue. Alors, c'est pas un couple, ça ne se forme pas comme ça avec une femme. Sans avoir un dialogue. Un dialogue, il faut dialoguer, il faut parler. Ils ont leur mœurs et chacun doit apprendre à vivre en couple, mais c'est très, très, très délicat. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes sur le plan culturel? Non, ici, non. Jamais, jamais. Non, pour quelle raison? Bah, peut-être que la culture thaïlandaise est un peu. T'adaptes ou tu t'adaptes pas? On va dans un pays où on s'adapte ou on ne s'adapte pas. Ça, on ne s'adapte pas, ça va. D'accord. Donc, vous vivez... On ne peut pas venir, nous, moi, par exemple, Européens, dire à des Thaïs, par exemple, dire, tu vas vivre comme je vis, moi. Non. Il a sa vie chez lui. On n'impose pas ce que nous avons, nous. Nous, on n'impose pas. C'est une erreur commune, ça, que beaucoup de... Les gens qui croient que parce qu'il est en Thaïlande, ils vont avoir affaire à des gens qui sont qui en va donner 100 bahts, 50 bahts, on va les promener. Il faut les respecter, c'est tout. Il faut le respect, c'est tout que j'en ai respecté. Est-ce qu'il y avait plus de bars avant, enfin il y a 40 ans, que maintenant? Ah non, c'est maintenant, ça a été l'explosion. Ah oui? Ah oui, oui, complètement. Voilà, ça centuplait. D'accord. On est arrivé à avoir, je crois, dans la ville, plus de 1600 bars. 1600 bars? Oui, à l'époque. On est arrivé à 1600 bars. C'est des bars. Mmh. Des petits bars, mais c'était des bars quand même. C'était bien comme des bars. Mmh. La plupart des touristes qui viennent ici, c'est pour quoi? Alors, il y a maintenant, il y a eu une évolution dans le tourisme. Les premiers touristes sont arrivés dans les années 80. Parce que la Thaïlande s'est vraiment ouverte au tourisme en 87. Il ne faut pas rêver. 80, 82, 83, c'était des gens qui passaient
On travaillait peut-être un mois dans l'année, un mois et demi, janvier et février, puis après c'était fini, on ne voyait plus personne. Tandis que là, maintenant, bon, ben, c'était une ville qui était ouverte au tourisme complètement. Donc les gens viennent toute l'année, il y a du monde. C'est-à-dire que c'est pour ça, par rapport aux îles, par rapport au temps, on a quand même un potentiel qui est plus important. Les gens viennent pour la ville, ils viennent pour le plaisir de les gens viennent faire la fête, puis les gens qui viennent maintenant en famille, on a beaucoup de familles. D'ailleurs, on a eu une communauté russe qui a été énorme avec famille et tout pendant jusqu'à il n'y a pas longtemps. On arrive à presque avoir presque 180 000 Russes dans Pattaya quand même. 180 000 Russes, ouais, dans Pattaya. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des clichés propres à certains touristes ici ou pas? Des clichés à certains touristes. Qu'est-ce qu'il s'appelle par cliché? Des clichés, des gens qui viennent faire la fête, qui viennent juste pour les femmes, etc. Ouais. Ou est-ce que, en fait, là où je veux pointer, c'est le fait qu'on peut avoir une vie stable ici? Ah oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui, tu peux avoir une vie stable. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont une vie stable. Hein. Il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi, non, ils ont une vie stable, ils sont installés. Ils ont, c'est des pré-retraités déjà, c'est des gens qui ont été quelqu'un qui a eu la chance de pouvoir partir à la retraite dans les, à 50 ans, ils ont une femme taille, ils vivent normalement, correctement, ils vivent de leur retraite. Ah oui, on peut avoir. Ça, c'est sûr que. Est-ce que pour des jeunes expatriés, tu conseillerais plus d'aller à Bangkok ou à Pattaya? Alors là, c'est difficile parce que Bangkok, bon, c'est une grande ville. Je ne me permettrai pas de dire d'aller à Pattaya ou à Bangkok. Bangkok a un potentiel beaucoup plus important au niveau business que Pattaya, c'est logique. Les villes de 20 millions d'habitants, avec les villes de 500 000 habitants, les ouvertures ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui va ouvrir un restaurant à Bangkok, il aura 10 fois plus de chances de réussir, pas de réussir, pourquoi pas, d'avoir du monde dans son restaurant qu'à Pattaya, par rapport au nombre de la population, quand même. Il faut penser à ça. Est-ce qu'on peut trouver l'amour à Pattaya? Ça, c'est une question que beaucoup m'ont posée. Ouais, l'amour à Pattaya, on peut le trouver, mais il faut aller à Lourdes. À Lourdes? Donc on peut pas. On peut trouver l'amour à Pattaya comme dans n'importe quel pays du monde, mais le problème, il est que. Est-ce qu'on est sûr? Hein? Être sûr de cet amour. Est-ce que c'est sûr, être sûr du véritable amour? Ouais. Et comment en être sûr alors? C'est difficile, il faut attendre avec le temps. Avec le temps. Est-ce qu'il y a 40 ans c'était la mode de venir s'installer en Thaïlande pour les Français? Non, on est les dinosaures de cette histoire. Il y a des Français en 1980 installés, il y en avait un qui s'appelait Jean. D'accord, donc c'était un mec qui était de je sais pas, de Calédonie, je sais pas où il était, il avait monté un restaurant dans une ruelle. Ah, c'est le premier, je crois bien que c'est lui le premier Français qui s'est installé. D'accord, c'était après, pas du tout une destination à la mode. Du tout. Pattaya, les gens, on commence à le découvrir dans les années 87, 88, 89, 90. Moi, j'ai connu Pattaya parce que quelqu'un qui voulait s'implanter là. Je l'ai connu en 76. Il n'y avait personne. En 80, il n'y avait pas plus. On travaillait donc, comme je disais tout à l'heure, un mois et demi par an, hein, c'est tout. Bref, il n'y avait personne. Et après, donc après l'année de la Thaïlande, qui était en 87, alors là, ça a été l'explosion. Explosion totale. Le pays s'est ouvert complètement et les villes ont commencé à surgir, des quartiers à se monter à une vitesse grand V. Voilà. Et ça a été l'explosion de la Thaïlande. Mmh. Tout à l'heure, tu disais que le pays avait été fermé pendant longtemps. Donc que personne ne voyageait. Il y a des périodes où le pays a été fermé. Pas fermé, obligé. Pendant la guerre du Koweït, on a eu des problèmes. Après, maintenant, avec la pandémie, là, ça fait bientôt 2 ans quand même, après, on est plus ou moins fermé, fermé. Hein. Mmh. Ouais. Ça, c'est des mesures de sécurité prises par le gouvernement. Je respecte complètement leur choix, hein, c'est logique. Hein. Mmh. Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent en Thaïlande ou pas? Est-ce que c'est facile de. C'est-à-dire? Est-ce qu'on peut monter des business et gagner sa vie? Oui. Oh, bien sûr que oui. Ah ouais? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il faut avoir un bagage, il faut avoir des compétences? Non, les bagages, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça. Les gens que je connais, moi ici, il n'y a pas beaucoup de bagages. Non. Le bagage, c'est le travail, c'est tout. Après le reste, d'accord. Si tu fais ton métier correctement, d'accord. Le bagage, on ne va pas te demander si tu as un bac 4, un bac 5, un bac 6 ou un bac à laver. Hein. D'accord.
C'est l'expérience qui marche ici. Nous, ce qu'on a amené, si tu veux, ici en Thaïlande, un petit peu, on a amené notre expérience de travail. Après, à notre niveau, nous, dans l'hôtellerie, tout comme ça, mais après le reste, dans tout ce qui est engineering, tout ça, ça c'est autre chose. Les Français aussi qui ont amené beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que les Français. Les Chinois, les Italiens, les Anglais, les Américains, les Anglais, les Italiens, tout le monde a amené quelque chose. Chacun a amené un petit peu sa pierre à la participation, de l'évolution de la ville. Voilà, c'est tout, voilà. Est-ce qu'il y a une solidarité ici, dans la communauté, on va dire, de francophones? C'est-à-dire, on en revient simplement à ceci, on vit comme vous vivez en France. C'est-à-dire, chacun pour soi et Dieu pour tous. D'accord. Il n'y a pas d'entraide? Non, mais bon, rien, c'est pas vrai. Bon, c'est pas qu'il n'y a pas d'entraide, on ne se fréquente pas, voilà, mais c'est tout. Voilà. Moi, personnellement, je suis honnête, je le dis, je ne fréquente personne. Pourquoi? Parce que je travaille, j'ai pas le temps d'aller entrer dans les bars. Et voilà, c'est tout. Je me suis occupé de mes affaires et quand tout le monde s'occupe de ses affaires, on a autre chose à faire. Comment occupez-vous vos journées? Eh bien, mes journées, là, quand je suis revenu de France, au mois de décembre, je m'occupe de moi-même déjà, physiquement, je m'entretiens. Puis après, je m'occupe de mon petit-fils, de mon fils. Et gère dans mes affaires, comme ça, tranquille, mais je n'ai plus rien à voir. Mon fils gère ses affaires complètement, avec sa mère. Le Sabai Sabai. Sabai Dimak. Ah, vous parlez thaïlandais un peu? Un petit peu. Ne me dites pas que je parle de Thaï, je serais menteur. D'accord, c'est difficile à apprendre, j'ai remarqué. Moi, pour moi, oui, c'est difficile. Mon fils parle de Thaï littéraire, donc je ne parle pas du tout. Ouais, d'accord. Quels sont vos projets à court terme? À court terme? Ouais. Ah, mais là, je ne peux pas de projet. Voyager. Mon projet, c'est d'avoir une très bonne santé, continuer à faire du sport et aller me promener quand j'ai envie d'aller me promener. D'accord. Ouais, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ouais. Je sais pas. Mais là, je laisse la place à qui il faut la laisser. Il y a beaucoup de gens qui ont tenu à Pattaya? Oui. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait leurs affaires à Pattaya, qui ont géré leurs affaires convenablement et qui sont restés à Pattaya. Oui. Quel est le secret pour durer dans le business ici? Se remettre en question tous les jours. Tout simplement. Est-ce que c'est facile d'ouvrir un business dans la nuit? Très difficile. Je ne suis pas dans la nuit. D'accord, vous êtes dans la restauration? Moi, je suis dans la restauration, dans le bar normal, je ne suis pas dans la nuit. D'accord, ça ne vous intéresse pas? Non, ça ne m'a jamais intéressé. À ce point-là? Parce que je sortais de la nuit de chez moi. Je ne vais pas me remettre à la nuit à l'étranger. Ah, d'accord. Donc, dans la restauration et dans l'hôtellerie, quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles vous avez fait face? C'est des histoires comme maintenant, des pandémies, voilà, comme maintenant, ou la guerre du Koweït, qui a duré 3-4 mois, et on était fermés complètement, il n'y avait personne. Enfin, sinon, après, on a été attaqué un peu, surtout par les médias, parce que les médias, pour vendre du papier, c'est facile, hein. On parle de bordel, Pattaya, et voilà. Et bordel, Pattaya, c'est pas vrai. Hein. Parce qu'il y a autant de bordel à Paris qu'à Pattaya. Hein. Vous pensez que tu exagères la réputation de Pattaya? Non, complètement. C'est complètement usurpé, voilà. C'est très simple. Voilà. D'accord. Parce que ce côté-là... Ce sont des types de reportages comme Des gens comme M6, comme des gens qui sont venus qui ne connaissaient rien de la Thaïlande, qui n'ont rien vu de la Thaïlande, qui racontaient n'importe quoi sur la Thaïlande. Voilà, ça c'est inadmissible, voilà, c'est tout. Voilà. Après le reste, ils font comme ils veulent. Hein, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils prennent des... Ils prennent des clichés, après derrière ça, ils y vont. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça contribue un peu à salir l'image de la Thaïlande? Ça salit l'image de la Thaïlande. Ouais. Ça l'a assombri. Ouais. Et vous m'avez dit aussi en off qu'ils prenaient des images d'autres pays, carrément, ça? Oui, ils ont pris des images même de... Je peux me donner même les quartiers. Ils ont pris des images de Makati, en faisant croire que c'était Pattaya. En Philippines, c'est ça? Ouais, des images de Philippines. Ouais. J'étais chez moi en France quand j'ai vu l'émission. Je me demandais si j'étais à Pattaya. Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de faire des documentaires? Oui, on m'a demandé, j'ai toujours refusé parce que je sais que c'est que des menteurs. C'est un honneur pour moi, en tout cas, moi, de vous avoir ici. Hein. Voilà, ça me fait super plaisir. Moi, je vais te dire une chose, c'est dans le sens que je t'ai répondu. C'est vrai, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, Eugène. Et écoute, voilà, je peux t'aider pour autre chose, je te dirai. Voilà. Avec grand plaisir, merci beaucoup, en tout cas. Comment s'appelle votre hôtel? Wendy Inn, Éclair de Lune. D'accord, il est basé où?
Comment ? Il est basé où ? À l'entrée du Walking Street. À la fin de la Walking Street, bien sûr, à 500 mètres du pont. 500, bien, bonne localisation. Sur le bord de mer, sur voilà. Bon, ben écoutez-moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Au lieu de faire comme les journalistes qui viennent, qui prennent trois photos, qui repartent en faisant tout un cinéma, il vaut mieux venir en Thaïlande, passer une bonne quinzaine de jours et découvrir la vraie Thaïlande. La Thaïlande profonde, à l'intérieur, et la Thaïlande des bords de mer, Pattaya, et ou alors les îles Phuket, Koh Samui. Toutes les îles, c'est un pays merveilleux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.